Merci. Je vous en prie. Pourquoi vous avez fait ça? Et quoi? Oh, je vous en prie. Le billet de 50 000. J'estime que c'est le prix. Vous vous fichez de moi? Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. J'ai trouvé votre petite scène champêtre très réussie. Vous avez énormément de talent. Les biches, je ne fais que ça depuis des siècles. On voit que vous ne traversez pas souvent la Seine. Pour la bonne raison, j'habite le midi. Au revoir. Au revoir. Vous bardez par là? Ouais. Vous êtes riche? J'ai de l'argent. Et ne me demandez pas si j'aime la peinture. Vous ne l'aimez pas? Oh, j'aurais cru le contraire. Ben, si vous aimez ce que je fais, vous n'aimez pas la peinture. Je serais plutôt contente à votre place. Comment vous vous appelez? Et vous? Frédéric. Moi, je vais par là. Moi aussi. Oh, comment vous les trouvez, ces gravures? Pas terrible. Comment vous vous appelez? Why? C'est pas un nom, ça. Ça ne vous regarde pas? Ah. Combien elle vaut, celle-là? 1500. Et celle-là? 10 000. Et pourquoi une telle différence? On a une du 18e et l'autre, c'est une copie Napoléon III. Ah. Ah. Ah oui, on voit tout de suite que c'est une copie, celle-là. Oui, oui. Oui, mais c'est l'autre. Ah. Bon. Je pars là. Moi aussi. J'habite là. Alors au revoir. Et merci. De quoi? Du bon moment. Merci également. Vous ne voulez pas boire une tasse de café, de thé, quelque chose? Vous avez une salle de bain? Oui. Si je peux prendre un bain, je veux bien prendre un café. Sûr. Combien de sucre? 1,5. Vous êtes bien faite, on dirait. Pas trop mal. Passez-moi le café. Mais rincez-vous la tête, au moins. J'en ai envie tout de suite. Ah! C'est infect. J'avais dit un sucre et demi, vous en avez mis deux. Oh! Je suis désolée. Voulez-vous que j'aille chercher une autre tasse? Non, j'en ai plus envie maintenant. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi capricieux. Peut-être. Vous êtes d'une exigence. Surtout dans... Dans quoi? Dans... Dans ma situation? Eh bien, justement, il faut réagir. Et maintenant, partez. Pourquoi? Je sors du bain. Je comprends pas. Je n'aime pas qu'on me voit nue. Oh. Allons, allons, allons. Entre femmes. Ben justement, encore moins entre femmes. Et d'ailleurs, je n'aime pas ce mot.
Approchez. Venez. Attendez. C'est tellement mieux comme ça. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie et de générosité d'âme. La Révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Tu as raison, Gaston. Dis donc, il y a un klaxon qui sent. Hey! Hey, c'est Frédéric! Merde, déjà? C'est celle-là? J'en sais rien. Où est-ce qu'elle a plus à dégoter? Une bouche de plus à nourrir. Allez au turf. J'espère qu'elle n'est pas chieuse. D'où ça vient, ces trucs? Kenya. Mozambique. J'adore la chasse. Ma poulette. Ma beauté. Léché. Dans mes bras, je ne peux plus attendre. Oui. Laisse-moi un peu. Oh. Écoute, allez, ça suffit maintenant. Quoi? On ne nous aime plus? Oh. Loin des yeux, loin du cœur. Oh. Injuste. Qui c'est cette mignonne-là? Une amie, Why. Why? Why? Why comment? Demande-lui. Why comment? Why? Ciel. Jacques Riet! Fernand Robeck! Allez, viens, je t'emmène voir ta chambre. Moi, elle me plairait plutôt. Qu'en penses-tu, Robeck? Bah, charmant. Dommage qu'elle était dans ses coups. Il vous laisse sur votre sein. Les cheveux sont tout à fait acceptables. C'est bien le moins. Les cheveux. C'est important, les cheveux. On n'y pense jamais assez. Son centre de gravité est en parfait équilibre avec son polygone de sustentation. Impressionnante chute de l'intelligence sur la beauté. Le mollet pourrait bien être irréprochable. Pour ce qu'on en devine, irréprochable. De même que la taille. Beau brin de fille, y a pas dur. Oui, mais... Mais quoi? Je ne suis pas entièrement d'accord sur le croupion. Ah? Mais dites donc, vous, ça va pas? Quoi? Vous écoutiez? C'est du joli. Quelle éducation! Ça suffit! Allez, laisse tomber. Tu marches plus d'un rajoutant. Dehors, maintenant. Vous n'avez pas honte. Non. Bon, allez, dehors. Dehors! Dehors! Allez, hop! C'est qui les deux là? Oh, ils sont très mignons, tu verras. Faut s'y habituer.
D'ailleurs, tu sais, à Saint-Tropez en décembre, hein, c'est pas comme en été. Y a pas le choix. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, tu dors pas? Impossible. Trop fatiguée. Et puis avec toute cette musique. Oh, c'est pas désagréable. Eh, viens. On passe à la cuisine et puis on va se promener. Quelque chose à te montrer. Ça fait longtemps que tu l'as suivi. Oh, ça fait 10 ans à peu près. Je l'aime bien, très agréable. Tu vois, là, il y a toujours du soleil. Violetta, je vous présente une amie, Mademoiselle Wild. Bonjour, mademoiselle. Avec leur musique, si vous croyez que ça facilite les choses, je sais plus où j'ai la tête, moi. Qu'est-ce que vous nous faites de bon? Un rôti de veau au chou de Bruxelles. C'est votre bête qui l'a demandé. Où est la muscade? Où est passée la muscade? Ils farfouillent dans la cuisine, ils changent tout de place, ils me rendent chef, ces deux-là. Mais où est cette muscade? Merci, mademoiselle. J'espère que vous aimez ça, le rôti de veau avec des petits choux de Bruxelles. Je sais pas. Nous vous laissons, Violetta. Et du calme. Calme, du calme. Pas mal, hein, tout ça. Tout ça est à toi? Oui. Tu vois, si tu cherches du travail, ça manque pas ici. C'est toi qui l'as fondé, ce truc-là? Ah non, c'est mon grand-père. Et puis, il y a eu des terrains, et puis... Tu vois, pendant la guerre, hein... Bonjour, madame. Et toi, tu te débrouilles? Ben oui, je me débrouille. Tiens. Bon. C'est plutôt un métier d'homme, non? Bon. Viens. Mais finalement, j'ai sommeil, moi. Ben, moi aussi. Si on rentrait. Oh, non. Va aller là. Je veux me faire l'amour, toi. Oh. Oh, oui.
Enfin, ça dépend avec qui. Et toi? Pourquoi tu me demandes ça d'abord? Je sais pas. Et toi? J'ai le vertige. Allez, viens. Dis donc, moi j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager. Allez, viens. Allez, allez, allez. N'aie pas peur. Non, mais je veux dire, et toi? Ça te plaît? Quoi? Ben, ça te plaît de faire l'amour? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Oh, dis donc. Tu sais pas. Pas très bon signe, ça, hein? Je suis vierge. Oh, te moque pas de moi. Tu me crois pas, hein? Pourtant, j'ai aucune raison de te mentir. Je ne m'en vante pas, d'ailleurs, au contraire. Oh, je sais ce que tu penses. La vie que j'ai menée, les types avec qui j'ai dû dormir faute de lit, ceux qui me payaient un sandwich pour se croire tout permis, sans compter les autres les plus nombreux qui me sautaient dessus carrément. Oh, c'est ce que j'appelle du mérite. Tu me crois pas, hein? Oh, si, t'es folle. T'es folle, je te crois. Je te crois. Et toi, les hommes? Oh! Tu sais, ici, l'hiver, c'est différent. Partie de boule l'après-midi, partie de cartes le soir. Partie tout court, quand on veut. Sans compter les plaisirs de l'esprit. La belle vie, quoi. Tu vois? J'ai l'impression que tu en as besoin. Chassé au Mozambique hors saison. Félix? Oui, Félix! Vraiment n'importe quoi. Tu veux me passer les billets? Ils sont là.
Ah, 50 000. 50 000. Pour moi? Ah, non, pour moi. Tu vois? Et toi? Quoi? Ah ben toi, t'as rien, toi. T'es même pas remboursé, tu vois. Oh, tu fais rien. Trois cartes. J'ai dit trois cartes. Trois cartes. Une. Parole. Parole. Cinq mille. Oui. 10 000. Tapis, 13 500. Passe. 20 000. Non, vous n'avez plus le droit. Relance immédiate. Dites 13 500. 13 500. 3 500. 25 000. Oh, oh, le bluff. On ne parle pas. Eh bien, parole. D'abord, c'est pas à ton tour, c'est à monsieur. Tout mon temps. Attention, vous ne pouvez plus relancer. Je sais. J'ai un quart d'heure pour payer, si je veux. Why? Va me chercher une bière. Tu vois bien que je ne vais pas bouger. Une bière bien fraîche. Qu'est-ce que tu attends? J'ai tout mon temps. Carré de neuf. Et vous hésitez à payer? Vous êtes dingue? Non, je l'avais servi. C'est pour ça que j'ai pris une carte. Au classique. Croyant au jeu. Vraiment, vous êtes bizarre. Avec un jeu pareil, ne relancez pas. Je suis libre. Non? Moi, à votre place. Oh, 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 pas de commentaires, hein? S'il vous plaît, soyez tous au jeu. Je prends trois cartes. Non. Allez, c'est fini, on fait les comptes. Oh. On prolonge un peu, non? Pas chez moi, j'aime la rigueur. Oh, ouais. Les comptes. Même pas le coup du perdant? Même pas. Je gagne 83 000. J'en compte 65. T'es vraiment pas gentil. Dans la vie, il y a des perdants. Moins 65. Je gagne 1000. Tenez. 1000. Merci, mon prince. C'est bien bon. Et vous? Je perds 35 000. Moins 35. Plus 12 000. Plus 12 000. Comment il s'appelle, l'architecte? Paul. Bon, allez, prends les chevaux. Moi, ça va être fait. Une carte. Non, je vais payer. Je te les dois, puisque je t'en dois déjà.
pas question. T'as perdu, il faut payer. Avec quoi? T'as un carnet de chèque. qui n'en a pas? Alors, paye. Mes amis, buvons et mangeons. Il n'y a pas faim? Si. Et vous, vous n'avez pas faim? Si. Alors, il faut manger. Allez, à table. C'est un G-1955. L'artillerie du plaisir, champagne. Au revoir. J'étais ravie de vous connaître. J'espère que vous reviendrez bientôt. J'espère. Au revoir, au revoir. Au revoir, mes petites chattes. Où tu vas? Je vais me balader. C'est mon droit, non? Oui. J'ai mal à la tête. C'est mon droit? Rien ne l'empêche. J'ai un service à te demander. Vas-y. Suis-les. Qui? Eux. Tu sais bien qui. Dis donc, ma petite, ça va pas, non? Ça m'amuse, figure-toi. Et puis, ça ne sera pas gratuit. Tu veux que je le déchire? Oh, déchire. Déchire. Je le déchirerai. C'est promis. Albert? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez porté chance, j'ai tout récupéré. Je perdais beaucoup. Pourquoi me regardiez-vous sans arrêt? Alors bon, c'est un reproche? Non. Pourquoi me regardiez-vous? Ça se remarquait tellement. Je vous ai demandé pourquoi. Pourquoi? Parce que vous êtes une fille, que vous êtes jolie et que j'aime bien regarder les jolies filles. Je ne saurais pas vous le dire, vous allez me prendre pour un monstre. Je peux monter? Pourquoi? Parce que vous êtes un monstre. Vas-y, prends le volant. Oulala!
N'avez pas peur de vous promener avec un type qui n'a pas cessé de vous regarder? Je sais me défendre. Admettons, par exemple, que j'essaie brusquement de vous embrasser. Qu'est-ce que vous ferez? Je vous remettrai à votre place. Et si j'employais la force? Je me débattrai. Pas dû m'embrasser. Pourquoi? Pas après ce que je vous avais dit. Pourquoi? Ça me met en défaut. Oh. Vous soyez pas orgueilleuse. Alors tu viens, imbécile! Je déchire vraiment Falzar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dessine des biches. Des biches? Mais oui, des biches. Oh, ce serait trop long à vous expliquer, ça m'embête. J'aimerais que vous m'embrassiez. Alors bon. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux types qui nous suivent, ils s'appellent Robert Guerrier. Ils vont être déçus, j'ai oublié mon portefeuille. Je ne plaisante pas. C'est deux des types qui jouent au poker, des amis de Frédéric. C'est elle qui leur a demandé. Elle vous l'a dit? Non. Mais je le devine. Mais pour quelle raison? Comme ça. Elle s'ennuie. Ça l'amuse de savoir ce que je fais, ça la distrait. Elle sera contente. Elle sera contente que je vous embrasse. Mais oui. Ah. Vous avez le sens de l'amitié. Ah ah, quelle salope. Voulez-vous que je vous fasse un peu de feu? Non. Non? Dommage. Il y aurait eu une justification à ce feu de cheminée. À cette musique d'ambiance. À ce whisky que je vais vous offrir. Laquelle? Je vais vous faire une cour effrénée. Mettez-vous à l'aise. Vous savez pourquoi les deux zigotos de Frédéric nous suivaient? Non. Je m'en fiche. Paul. Oui. Je voudrais que vous sachiez quelque chose. Dites-moi. Non, j'en ai plus envie.
Pourquoi, dites? Non, j'aurais l'air trop bête. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Mais non, dites-moi. Non, je vous en prie, Paul, n'insistez plus. Mais si. Dites-moi. Chez lui, je dois dire qu'elle n'a pas opposé de résistance, vraiment. Auparavant, il l'a baladée au pied de la citadelle. Nous n'avons pas entendu ce qu'il se racontait, mais je suppose que le baratin habituel. Au début, ta jeune amie a bien fait un peu sa mijaurée, mais il apparaît, dans la lumière, que les propos d'Hugo Delureau ont su la convaincre. Il faut dire qu'ils étaient assez mignons, tous les deux, au clair de lune. C'est la romantiche balade. En bref, c'est une idylle. En tout cas, elle partait de jambes en l'air. Ça te fait marrer. Oui, 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 je rigole, je rigole. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête des filles. Vous pouvez disposer. Il y a une petite formalité. Oui. Mon chèque. Argousin. Les bons comptes font les bons mouchards. Bonne nuit, poulet. Bonne nuit. Il va t'acheter un autre Falza, Gaspard. Je suis très heureux que tu remarques les détails. Why? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu ne me demandes pas où j'ai passé la nuit? Où ça? Chez un homme. Oh! Tu ne me demandes pas si je l'aime? Tu l'aimes? Je sais pas. Je crois que non. Oh. Tu ne me demandes pas ce que j'ai fait? Ça se devine aisément. Tu veux du thé? Tiens. Oui, je veux bien. Bois dans ma tasse. Si ça ne te dégoûte pas trop. Pas trop. Tu veux une tartine? Non, merci. Alors. Comment s'appelle-t-il, ce jeune homme? Paul Thomas. Ce n'est pas l'architecte? Comme si tu ne le savais pas. Il a l'air gentil. Je le connais assez peu. Eh bien, sois heureuse, ma chérie. Je ne demande que ça. Bonjour. Quelle charmante visite. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Je suis venue un petit peu voir ce que vous faites. Alors, vous n'êtes pas trop embêtée hier soir? Non, pas du tout. C'était une soirée très agréable. Pourtant, 3 heures de poker pour terminer un jeu, c'est pas vraiment terrible, non? La tête de vos deux amis, c'est un spectacle assez réjouissant. Venez par là. Ça vous plaît? Ah oui, oui.
Génial comme idée. Oui, oui, si. Ça sera fini dans 2 mois, je pense. L'idée est rigolote. Toutes les maisons seront pareilles et toutes seront différentes. De toute façon, ça coûte pas cher. Vous avez l'air heureux. Je suis heureux. Je suis heureuse que vous soyez heureux. Ça s'arrose. Formidable. Oh, mais dites-moi, vous avez le sens du vrai confort. À votre santé. Est-ce que vous l'aimez, cette petite? Quelle petite? Ne faites pas l'hypocrite. Why? Qui? Why? Où? Ne vous moquez pas de moi en plus. La fille qui habite chez moi. Vous n'avez pas cessé de la regarder. Ah, elle s'appelle Why. Oui, oui. Ah, je ne savais pas. Vous ne lui avez pas demandé son nom? Non, j'ai oublié. Vous ne l'aimez pas? Ma foi, je ne sais pas. Pourquoi voulez-vous que je l'aime? Mais vous avez passé la nuit avec elle hier soir. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez? Vous tremblez? Moi, pas du tout. Si, si, vous tremblez. Absolument pas. Vous voulez un autre verre? Quelle heure est-il? 3h10. C'est affreux, j'avais rendez-vous avec votre protégé à 3h juste. J'ai complètement oublié, vous voyez. Allez, à vous de jouer, ma belle. Oh, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur ce chantier. C'est samedi, ils foutent pas grand-chose. Oh. Je crois que j'ai un peu trop bu. Pourquoi? Vous ne supportez pas l'alcool? Si. Si. Mais je suis un petit peu fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'allez pas à votre rendez-vous? Je devrais vous penser. Ça va lui faire de la peine? Mais non. Moins que si je lui posais un lapin dans 15 jours, dans un mois. Vous allez quand même pas me jeter dans ses bras? Je rentre. Oh, vraiment, j'ai l'impression que j'ai le feu aux joues. Mais il n'a jamais servi ce lit. Non, 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 non. Non, ne me touchez pas. Si, touchez-moi. Embrassez-moi. Mmh.
Vous connaissez Paul Thomas ? Bien sûr. Vous l'avez pas vu aujourd'hui ? Ah non, pas aujourd'hui. Bon, si vous le voyez, vous voulez bien lui dire d'appeler la Villa La Robigeoire. Il a le numéro. D'accord. Avec deux gentlemen. Nous jouons au cri d'animaux. Vous connaissiez ? On pousse un cri, il faut le reconnaître. Par exemple. Oh, oh, c'est le chien. C'est le mouton. Vous comprenez ? À toi, Robeg. Attention ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Alors ? Je recommence. Ouh ! Ouh ! C'est le loup. Oui, à toi. Ah, je sais. À la Wai. C'est la hyène. La hyène. À vous, Wai. Allez, faites un animal, allez, n'importe quoi. Allez, un serpent, un cochon, hein. Ma petite Wai. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, toi, Albert? Non, non, refaites-le encore. Ne serait-ce pas le crocodile? Mais bien sûr, tu as raison, c'est le crocodile. Ah, voilà la visite. Ah, t'es là. Oui. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Je suis désolé pour le rendez-vous manqué. J'espère que tu ne m'en veux pas. Mais non, je ne vous en veux pas. Quelle idée. Why? C'est inutile de jouer la comédie, écoute-moi bien. Paul, pas 8 jours pour Paris, je pars avec lui. Ça, par exemple? Oh, je vous en prie, tous les deux. Je sais que tu vas me haïr pour ce que je suis en train de faire. Tu me connais mal. Je suis désolé, Why. Tout ça est de ma faute. Oui, il faut que tu me comprennes. Je suis en train d'essayer quelque chose. Il faut que tu me comprennes à demi-mot. Je préfère un dessin. Oh, je voudrais tellement que tu me comprennes. Et que si tu m'en veux, tu me pardonnes. Je peux rester là? Bien sûr. Or, je me rends compte que je suis d'un épouvantable égoïsme. N'y pense plus. Quand vous reviendrez, je serai là. Vous en faites pas, on va s'en occuper de la petite. Ah, oh, faites pas les satires, vous autres. Tu sais, le sexe, c'est nous, hein. Nous, on préfère la bouffe. Il a mouillé la viande. Je l'ai salé à l'eau de mer. Et la Sado, hein? Elle n'est pas mouillée la viande dans la Sado. Vous savez ce que c'est la Sado, ouais. Dans la pampa sud-américaine, le vent qui souffle à 100 à l'heure projette les braises ardentes sur la viande ainsi humectée. Mais ici, il n'y a qu'un grill. Silence! Retournez à vos fourneaux. Tenez, et dites-moi si c'est bon. C'est très bon.
Si tu vois un animal au loin, approche-toi. C'est peut-être un homme. Un proverbe finlandais. Toutes les filles sont bonnes, d'où viennent donc les mauvaises femmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas boulanger si ta tête est en beurre. Vous comprenez quelque chose, un chef proverbe, vous? Le diable n'avait pas de chèvre et il vendait cependant du fromage. Blanc, bleu, rouge. Être dans une maison avec un bon feu et le ventre plein vaut mieux que de se geler dehors à la recherche d'un contrat de pain, n'est-ce pas? Oui. Elle a parlé? On te croyait morte. On s'apprêtait à être affreusement triste. Mon rossignol. Bonjour. 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 Ma chérie, comment vas-tu? Ah, madame. Très bien. Ne lui réponds pas. Elle a été méchante avec nous. Elle a été jalouse de moi. Mais on disait du bien de toi, n'est-ce pas? Oh, mais tu parles. Que tu sais voler ta barre, que tu gagnes des sous, que les hommes ne te font pas peur. Ne les écoutez pas, Violetta. Ils sont odieux. T'es déshabillée? T'as toujours mal à la tête? Je suis juste un peu fatiguée. Alors je me suis couchée. Je t'ai apporté ton dessert. T'étonne pas si la tête te tourne. Ils ont mis plus de kirsch que de chocolat. C'est de là. Faut que je te parle. Vas-y. Non, mais il ne faut pas m'interrompre parce que c'est déjà très embrouillé, tu comprends? Paul et moi. J'écoute. Non, mais ne m'interromps pas. La petite aventure que vous avez eue tous les deux, c'était pas vraiment... C'est pas vraiment sérieux, hein? Parce que moi, ce qui m'arrive, c'est formidable. Tu sais que je m'emballe pas facilement. Mais avec Paul... Tu sais, quand je lui ai proposé de l'accompagner à Paris, il a dit oui tout de suite. Bien sûr, quel homme aurait dit non? Tu m'en veux pas? Pas du tout. Moi, j'avais peur que tu m'en veuilles. Mais non, voyons, ne sois pas idiot. Je suis bien contente. Tu sais, à Paris, c'était formidable. On a marché des heures dans les rues, on a... été au Louvre. Il m'a emmenée sur ses chantiers. Tu sais qu'il adore son métier. Il m'a fait lire des livres sur l'architecture. Il est tellement gentil avec moi. Il est drôle, tu sais. Je suis bien avec lui. Au début, je croyais...
puis il est arrivé un truc bizarre. Tu l'aimes. Je suis complètement folle. Et lui ? Lui, oui, je... aussi. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Mais ça doit être vrai. Quand je lui ai proposé de venir habiter ici, il a dit tout de suite oui. Vous allez vivre ensemble ? Oui. Tu crois que c'est une bêtise ? Mais pas du tout. C'est merveilleux ce qui t'arrive, non ? C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Qui pourrait se moquer de toi ? Je suis si heureuse. Que tu m'en veux pas. Au contraire. Bon, je vais les retrouver. Oh, qu'il m'agace. Qu'il m'agace. Mais qui? Ben eux, les amoureux. Regarde-les. Pardon? Ça se donne la main, ça susurre, ça chuchote. À leur âge. Je peux pas le voir en peinture, ce type-là. Il doit en vouloir à ses sous, c'est pas possible. Ah, ça te va bien. Viens plutôt me dire ce que tu penses de ça. De la merde. D'ailleurs... D'ailleurs, tout est de la merde. Ouh, j'ai froid tout d'un coup. Pas toi? Tu veux qu'on rentre? Non. Je vais te chercher ton châle. Où il est? Dans le placard de droite. Ouais, ça t'embêterait beaucoup d'aller me prendre un verre d'eau. Tu es très belle, très en forme en ce moment. Une beauté, j'en avais besoin. Tu as l'air bizarre. Je pourrais te dire la même chose. Tu sais, Frédéric me prête toutes ses affaires. Tant que je veux. C'est merveilleux, les affaires des autres. On a l'impression de changer de peau. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Elle me prête ses affaires, ça t'étonne? Rien ne m'étonne dans cette maison. Rien.
Qu'est-ce que tu as? Rien. Ouais, tu la connais depuis longtemps. Oh, je croyais te l'avoir déjà dit. Non. Un mois et demi. Et les deux oiseaux rebaguerriers? Oh là là, ceux-là, ça se perd à la nuit des temps. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai l'impression qu'il me déteste. Allons, allons, allons. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de morbide dans cette maison? Oh, alors là, vraiment, je trouve que t'exagères un peu. Moi non plus, je peux pas dire que je les adore. Tu veux que je les renvoie à Paris? Tu sais, c'est facile. Non, 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 pas jusque-là. On peut se parler deux minutes? Qu'est-ce que vous voulez? Allons par là, je veux qu'on soit tranquille. Vous êtes heureuse, vous, ici, maintenant? Pourquoi? Frédéric est complètement folle de ce type. Et c'est un salopard. Croyez-moi, je m'y connais. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Mon ange, voilà une question qui prouve bien votre jeune âge. Je suis un révolutionnaire, moi. Quand quelque chose me déplaît, je le renverse! Mais je suis très bien comme ça, moi. Ta, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Vous êtes heureuse? Foutez-moi la paix. Je suis de conne. Frédéric? Oui? Tu viens, j'ai à te parler. Il y a longtemps qu'il aurait dû faire ça, hein. Mais pourquoi? Pourquoi il t'a demandé ça? Ils en veulent à notre bonheur. Tu es heureuse avec nous? Ils ne supportent pas Paul. Ils ont l'impression que la vie n'est plus la même. Les salauds. Ne sois pas triste. À ce soir. Qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un a mis une saloperie là-dedans. En effet. Foutez le camp. Pardon? J'en ai assez de vos sales blagues. Foutez le camp. Tout de suite! Quelle blague? On n'a rien fait? Partez immédiatement. Je ne veux pas vous voir une seconde de plus dans cette maison. Si tu nous expliquais, mon pigeon. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette soupe, mais je te jure qu'on n'a rien mis. Partez tout de suite! J'emploie les grands moyens. Bon, allez, cherche pas à comprendre, allez. Bien. Tu ne laisses même pas le temps de nous défendre. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, vu du cosmos? On t'a dit qu'on n'a rien fait. Tu n'as même pas interrogé la cuisinière. Dehors. Ah, facile à dire, on l'a plus en retard. Même en deuxième, on est loin du compte. Et le taxi pour Saint-Raphaël? Et d'abord, restaurant. 900 km, c'est pas une promenade. Surtout l'estomac vide.
Bon, on peut pas t'en vouloir, hein. T'es gentil quand même. Je t'embrasse, ma poule. Je suis sûr qu'on se reverra. Allez, c'est trop long. Bonjour. Le petit déjeuner est prêt. Qu'est-ce que tu dis? Le petit déjeuner est prêt. T'es déjà levée? Ça fait 2 heures. Je me suis promenée. J'ai préparé le petit déjeuner. Oh. Je vous ai cueilli des fleurs. Oh, mes petits chéris. Je revis depuis qu'ils sont partis. Et pour, je me sens un peu coupable. Oh, tu sais, hein, les faiseurs de salade, quand ça va, ça va. Après... Et l'idée de s'entourer d'énergumènes pareils? Non. Oh, ma petite chérie, ça t'embêterait beaucoup d'aller nous chercher du beurre. Au revoir, ouais. À ce soir. À ce soir. Oh oui, bonne idée. J'ai toujours des bonnes idées, moi, hein? Hein? Va mettre un peu de musique. Ouais, ma petite chérie, va mettre un peu de musique. C'est un type qui veut découvrir la sagesse humaine. Alors, il lit tous les livres, il trouve pas. Et alors on lui dit que faut aller en Inde. Alors il va en Inde, il économise pendant des années, il arrive en Inde. Et alors là-bas, il demande et personne ne sait.
Et alors, on lui dit que dans les montagnes, il y a un vieux sage qui, lui, sait ce qu'est la sagesse humaine. Et alors, il va dans la montagne, il marche. Il monte pendant des mois et des mois. Et puis, il arrive, il voit le vieux sage. Et il lui dit, bonjour, monsieur. Il paraît que vous savez la vérité. Le sens de l'existence. La sagesse humaine. Vous connaissez la sagesse humaine? Non, le sens. Qu'est-ce que vous disiez? Montez sur la montagne. Le 10. Ma chérie, va changer le 10. Et alors... Alors oui, alors le vieux lui dit, non, je ne l'ai pas découvert, écoute. Le vieux lui dit, je ne l'ai pas découvert. Si vous voulez, revenez dans 30 ou 40 ans, et je vous dirai, mais il y a un... Alors, allez le voir. Et il marche pendant des mois. Il monte pendant des mois, il arrive, et il voit le vieux, et il lui dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est la sagesse humaine? Et le vieux lui dit, c'est un vieux sage, il a 110 ans. Et il lui dit, la sagesse humaine, c'est un fleuve. Et alors, il lui dit... alors l'autre lui dit, mais comment, j'ai marché pendant des mois et des mois, et puis j'arrive et vous me dites que la sagesse humaine, c'est un fleuve. Et alors le vieux lui dit, mais attendez... Ah, parce que c'est pas un fleuve. Ne sois pas si pessimiste. Je suis pas pessimiste. Si. Non. Allez, on va se coucher. Je devrais vous trouver charmante. Vous êtes charmante, mes biches. Et venez.
Ma chère Wai, nous n'avons pas voulu te réveiller. Paul a été obligé de partir pour Paris d'urgence. Et bien sûr, je l'accompagne. Nous ne resterons absents que quelques jours. La maison est à toi. Tâche de ne pas t'ennuyer. Il y a de l'argent dans la commode de ma chambre. En t'embrassant, Frédéric. Ma chère Wai, bien sûr, je l'accompagne. Tâche de ne pas t'ennuyer. Tâche de ne pas t'ennuyer. Nous t'embrassons. Il y a de l'argent dans la commode de ma chambre. Nous t'embrassons. La maison est à toi. Nous n'avons pas voulu te réveiller. Paul a été obligé de partir. Et bien sûr, je l'accompagne. Nous ne serons absents que quelques jours. Il y a de l'argent dans la commode de ma chambre. Nous t'embrassons. Villa l'Arabijois, oui, dans les parcs. Vous partez? Oui. Au revoir, Violetta, et merci. Mais vous revenez quand? Jamais. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir? Je m'embêtais toute seule. Je m'embête dans cette maison vide. J'ai besoin d'une présence. J'ai froid. Subitement, j'ai compris que je ne pouvais pas rester. Ce serait passé des choses terribles. Quelles choses? Tu as jamais entendu crier? Comment crier? Ta tête. Les gens se disputent. Quand je dis dans ta tête, ce n'est même pas sûr. Non, savoir. Quelquefois, ils chantent. Ils s'injurient, ils font des discours interminables. Ils ne s'adressent pas forcément à toi, mais quand ils s'adressent à toi, c'est pire. Ils crient plus fort. Que disent-ils? Je ne sais pas. J'ai même l'impression qu'ils ne t'en veulent pas spécialement. Ils crient, c'est tout, tu n'existes pas. Seulement, ils en ont assez de crier les uns contre les autres. Ils cherchent quelqu'un d'étranger. Et c'est toi par malheur. Mmh.
Je ne veux plus retourner à Saint-Tropez. Je veux rester avec vous. Avec toi et Paul. Je veux que vous me gardiez. Allô? Ah, c'est toi. Bien sûr que je t'attendais. Oui? Tout de suite? Bon, d'accord. Mais non, ça m'embête pas, t'es fou. Moi aussi, à tout de suite. Je dîne avec lui. Dépêche-toi et m'attends. J'ai fini. Frédéric. Oui. J'en ai assez d'être comme j'étais, je ne peux plus. Je ne peux plus vivre sans eux. Qui eux? Toi et lui, toi et Paul. Fous le camp. Je vous aimais tellement tous les deux. Tu me fais horreur. Tu me dégoûtes. Pourquoi? Ton amour me dégoûte. Tu n'as pas encore compris que tu étais de trop. Allez, salut ma vieille. Et moi là-dedans? Tu crois que j'ai pas envie de chasser quelqu'un? Tu crois que j'en ai pas marre moi aussi? C'était pas facile de partir maintenant. Maintenant que j'ai connu autre chose. Pourquoi es-tu fâché, Frédéric? Parce que je vous aime? Parce que je t'aime ou parce que j'aime Paul? J'ai jamais rien connu d'autre. Comment peux-tu m'en vouloir pour mon premier bonheur? Celui de t'avoir rencontré, celui d'avoir aimé Paul. Je m'en vais, n'aie pas peur. Je m'en vais tout de suite. Tu ne me reverras plus puisque tu le désires. N'aie pas peur, Frédéric. Surtout, n'aie pas peur. Et maintenant, Frédéric, je peux te le dire. Est-ce que tu as remarqué qu'on se ressemblait? On a la même peau, les mêmes cheveux, la même bouche. La même expression, parfois. Les mêmes goûts. Comment peux-tu me reprocher de t'aimer? Et d'aimer Paul, puisque toi-même... Allô? Paul, mon amour. Non, j'ai changé d'avis. Je préfère que tu viennes. Viens dîner dans notre chambre. Non, je ne suis pas folle. J'ai simplement envie d'être seule avec toi. Mais non, je ne suis pas folle. Je veux être avec toi. Toute seule.